Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bal. Aujourd'hui, nous avons un conseil pour tous les jeunes gens qui veulent vraiment réussir. Quand vous voulez réussir, vraiment, il va falloir faire des sacrifices. Vraiment, d'énormes sacrifices. Hein. Mais il va falloir aussi être très intelligent et savoir avec qui marcher. Parce qu'il y a des gens qui portent la poisse. Hein. Il y a des messieurs qui se trompent souvent pour tomber sur certaines filles qui ne sont pas à leur taille. Ah! Ici, il y a un homme qui a décidé de vous donner de nous donner des conseils. Des conseils par rapport à ce qui se passe. Écoutons ces révélations. Quand tu es un jeune, tu te cherches là, évite les filles hein, qui ne travaillent pas, mais qui ont le goût du luxe. Sinon, tu n'as pas réussi. Hein. Quand tu es un jeune, tu te cherches, évite les femmes qui ne travaillent pas, mais qui ont le goût du luxe. Et puis, évite les femmes qui sortent avec les vieux pour avoir le matériel. Évite ça. Ça va ralentir ta vie. Ça va ralentir ton avancement. Parce que, elle est poubelle de quelqu'un. C'est-à-dire que, toi, tu couches avec elle. Tu mets ta semence en elle, tu mets ta grâce en elle. Elle va chez le vieux récupère ce qui est bon là. Et puis le vieux même là, ce qui est mauvais, mauvais en lui là, il met dans la petite fille et toi tu viens coucher avec elle. Ça gâte ton business. Vous avez entendu ça? Si tu as ta copine qui sort avec un vieux, elle quitte là. Elle ne peut rien t'apporter. Ce que toi tu ne manges pas, elle veut manger. Sortez avec des femmes qui ont pitié de vous. Tu sors avec une femme qui n'a pas pitié de toi, tu ne peux pas réussir. Là où toi tu ne vas pas, là il est parti. Toi-même pour payer même peut-être même 10 000 francs pour aller à le concert, tu ne peux pas. Mais c'est elle qui paye le ticket 50 000, 100 000 pour aller à le concert. Elle gagne la route. Toi tu emprunte encore Warren. Elle dit pour elle, c'est pas Yango, mais c'est pas taxi là. Elle ne peut pas monter dans Warren dans la baka pour venir te voir. Donc toi tu te casses la tête pour qu'elle vienne te voir. Tu payes taxi, tu payes Yango. Champion, femme qui ne te comprend pas là, il ne faut pas te mettre avec elle. Ça va ralentir ta vie. Tu veux réussir ou bien tu veux impressionner une femme. Fais le choix. Fais un choix. La vie, c'est un choix. Nos parents là, ont fait un choix. Il y avait des femmes qui brillaient. Hein? Les filles brillent maintenant. Là. Nos mamans là, beaucoup brillaient avant. Nos parents ont fait un choix de choisir la femme qui pourrait les aider à devenir quelqu'un. Voilà. Quand tu prends une femme là, il y a l'éducation de ta maison dedans, de tes enfants, de toi-même ta vie. Une femme qui n'a pas pitié de toi là, elle peut te faire du mal. Femme, habille-toi, tu ne portes pas. Ce que tu ne peux pas acheter, là où tu ne rentres pas, ce que tu ne peux pas faire, c'est ce qu'elle veut faire. Alors que toi-même, tu n'as pas encore atteint le tiers de tes projets. Frère, tu te mènes à ça, c'est souffrance cadeau. Cherche une femme qui va te comprendre, celle avec qui tu pourras bâtir quelque chose. Si tu sors avec les femmes dans lesquelles les vieux déposent des déchets là, champion, ça va ralentir ta vie. Hein. Si tu regardes sur le foot pour dire, elle brille, elle attend, elle est chic. Tes amis vont l'apprécier, mais c'est toi ta vie qui sera en état. Ça sert à quoi de sortir avec une belle femme que tout le monde apprécie, et puis toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Sois avec une femme, même si une personne l'apprécie, mais toi, ta vie évolue. Il faut faire un choix. Ciao. Bien, vous avez entendu ça? Est-ce que dans ce qu'il a dit, il a parlé de sorcellerie dedans? Non. Est-ce que dans ce qu'il vient de révéler là, il a parlé des filles sorcières? Non. À chacun son travail. Mes frères et sœurs, moi je suis un homme et je sais ce qu'il y a dedans. Quand on a une copine, quand on a une soi-disant femme, ce qu'il a dit est réel. Tout est vraiment juste et c'est clair. En général, les gens parlent de ce qu'ils ont vécu. Peut-être que lui s'est retrouvé avec une fille qui n'appréciait pas tout ce qu'il faisait pour elle, mais qui préférait avoir des gars à côté, dont les vieux, comme ce que vous voyez à l'écran, juste pour avoir certaines choses, pour avoir certaines choses qu'elles aiment. Cheveux seulement, 1 million. Quel chien! Donc, je vais te donner 1 million. Pourquoi t'as pas 1 million pour mettre ça dans ta tête, sur ta tête? C'est pas même dans ta tête, c'est sur ta tête. Si tu payes une éducation, mais pour mettre ça dans ta tête, ce serait même mieux. Mais c'est sur ta tête. Il dit, moi, je suis pas prêt. J'ai pris ma décision. Je préfère travailler, réaliser tous mes projets.
que de suivre une femme pour rien. Si elle pouvait même t'apporter quelque chose, ce serait bien. Mais non seulement elle t'apporte rien, et c'est elle qui te crée tous les problèmes de la planète. C'est là où on va parler de la sorcellerie. Moi, je vais vous parler de la sorcellerie. Hein? Parce que moi, quand je rencontre une fille, la première chose que je me pose comme question, c'est est-ce qu'elle est une sorcière ou pas? Si elle est une sorcière, là, n'allez plus loin. Tout ce qu'elle va faire, ça ressemble à ce que le monsieur a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu rencontres une fille. Dès que tu rencontres la fille, là, toi, tu dois être capable de savoir si elle est une sorcière ou pas. Si elle est une sorcière, ses yeux vont l'accompagner. Ses yeux vont accompagner tout ça. C'est-à-dire, elle va avoir un comportement vraiment bizarre. Aujourd'hui, elle dit ceci. Demain, elle dit autre chose. Après, elle dit ceci. Après, elle dit cela. Ce que les gens disent, c'est ceci, c'est un match. Ce que toi, tu dis, elle ne marche pas dessus. Elle va commencer à te mettre des bâtons dans les roues. Là où ta mère ne peut pas arriver, là. C'est là-bas, elle va chercher à t'amener. Elle peut te détourner de tes objectifs. Comme Samson. Samson était fort, hein? Samson était un dur. Quel être humain aujourd'hui a plus de force que Samson? Mais une femme a réussi à découvrir son secret. Vous devez comprendre quelque chose. Dès que vous voyez une fille et que Dieu vous dit que cette fille, c'est une sorcière, ne priez même plus pour elle pour sa délivrance. Parce que souvent, les gens font les erreurs du genre, je vais prier pour elle, elle va être délivrée. Mon ami, mon frère, Dieu lui-même qui est Dieu là, il a regardé nous les hommes, il a dit, ah, vraiment, on est très mauvais, il faut que nous détruisions l'eau. Et puis il a fait, au temps de Noé. Maintenant, c'est le feu qui attend les gens. Ça dit qu'à l'ainsi, soit c'est une bonne fille, soit c'est une mauvaise fille. Point, on n'en parle plus, on ne se fatigue plus pour essayer de prier pour délivrer quelqu'un. Allez là, toi tu luttes pour pouvoir t'en sortir. Quel temps tu as pas parlé prier pour une fille encore? Quel temps? Quel chat? Non, moi j'ai plus ce temps. Les filles sorcières qui sont en pudeur, évitez-les. Évitez-les. Je vous ai dit, cet homme l'a parlé terre à terre par rapport à la situation qu'on voit sans parler de la sorcellerie. Mais moi je vous dis qu'il y a des filles sorcières. Et en plus de ça, ces filles sorcières-là, le mari, c'est Satan. Tout ce que Satan, le mari de nuit, va leur dire quand elles seront dans leur sommeil, le matin, c'est ce qu'elles vont faire. C'est-à-dire que tout ce que vous, votre sur leur garde, votre leur mari, vous allez leur dire, ça va passer ici, ça va sortir là-bas, ça ne va avoir aucun effet. C'est-à-dire que sa présence dans votre vie, ça sera égal au problème. Parfois, il n'y a pas de problème. Elle va aller crier problème. Elle va créer des ennuis. Et si vous, vous êtes un jeu, vraiment, elle sera comme Jonas sur le bateau. Ça va vous empêcher d'avancer. Vous serez tout le temps perdu. Là où vous avez des choses importantes à faire, c'est là qu'elle va venir créer un combat. Par exemple, au travail, vous devez travailler sur un nouveau business. Elle, comme elle est une sorcière au courant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à vous distraire avec de ces histoires pas possibles qui n'ont aucun sens. Vraiment, il faut faire très attention quand il s'agit de choisir une femme. Parce que c'est une décision très dangereuse. Si tu fais l'erreur de choisir l'une de ces sorcières, tes enfants risquent d'être divisés. D'ailleurs, la division va s'installer entre eux. Parce qu'un groupe sera sain et le groupe sera sorcier. Et la guerre va commencer maintenant. Et toi-même, tu seras mûlé. Parfois, tu seras obligé de fuir la maison. Parce que tu as peur de revenir dans une maison où il y a la guerre tout le temps, pas là. Des histoires pas possibles. Pour éviter ce genre d'histoire, concentrez-vous sur vos projets. Travaillez dur. Maintenant, mettez tout entre les mains de Dieu. Mettez tout en prière. Et vous-même sur le terrain, vérifiez bien. Qui est cette personne que vous voulez envoyer chez vous à la maison? Allez, spirituellement parlant, il faut aller vérifier que celle-là, elle, ce n'est pas un problème pour toi. On prie, non? Quand vous priez, Dieu peut vous révéler toutes ces choses. Dans certaines religions, là,
Là-bas, c'est déjà avant de prendre une femme, il vérifie d'abord si cette femme est pour le bonheur ou pour le malheur. Vous pensez que tout ça, c'est pourquoi? C'est à cause de toutes ces choses. Et quand cet homme parle de ces jeunes filles qui vont coucher avec les vieux et puis viennent coucher avec vous, et ça vous donne la poisse dans vos œuvres et tout ça, est-ce que c'est faux? Vraiment, que Dieu me pardonne parce que moi aussi j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Vraiment. Mais je pense qu'à ce niveau de la compétition, vous allez comprendre. Ça, c'est vraiment terrible. Il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. Si tu avais des filles, beaucoup de filles, elles sont là que pour ton argent. Elles ne te donnent rien. Toi, mes frères, regardez, tu avais ces filles-là, elles ne t'apportent rien. Elles-mêmes, souvent, elles sont assises. Hein. Et puis, elles te disent, ah, vraiment, ensemble, hein, mais je dois reconnaître que je ne fais rien pour toi. Hein. Je ne t'apporte rien. Je ne te donne rien. Vraiment, il faut m'excuser. Faut faire attention. Moi, après avoir cherché beaucoup de goûts dans ma vie, je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, mais attends, il y a eu plus de 10 goûts dans ma vie. Parmi ces goûts-là, qui m'a donné quelque chose? Qui m'a offert un cadeau? Si 10 filles, c'est seulement une seule fille. Le reste-là, elles étaient là en train de bouffer ma thune. Je dis, si c'est quoi? Allez-y. Les femmes vont rembourser mon dieu. Elles vont rembourser mon argent. Désormais, moi, je ne paie pas d'autres. C'est les femmes qui paient d'autres sur moi. Elles vont rembourser. C'est la dette coloniale qu'elles remboursent à nous. C'est qu'elles nous ont pris. C'est pas de la blague. Ça devient bizarre. Et nous, on les regarde chaque jour. Il fallait voir autant de la fête. Au temps de la fête, il fallait voir les filles. Elles étaient en train de remuer les fesses devant moi. Mais ça m'a fait rire. Moi, j'étais juste là et tranquille. Je me disais, oh, c'est à cause de la fête. C'est à cause de la fête. Elles sont là. C'est que si moi, j'attends après la fête. 10 jours après la fête, on va voir clair d'affaires là. Si elles sont vraiment là parce qu'elles sont sincères ou bien elles sont là à cause de l'argent. Voici aujourd'hui, nous sommes le 13. Déjà hier, je suis sorti. Je n'ai rien vu. Toutes les filles qui étaient nombreuses de voir monter les remuer leurs fesses, elles ont toutes disparu. Comme un éclair. Je dis, attends, mais what? Donc, à cause de la fesse, vous étiez là. Donc, vous étiez là à cause de ma thune. Vous étiez là à cause de ce que vous allez gagner de moi. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je ne suis plus prêt pour les sorciers qui jouent avec les âmes des gens. Ça, c'est terminé, ça. Dès que je te vois déjà que tu as la sorcellerie, tu es en paix. Et j'ai vu parmi ces filles-là beaucoup de filles sorcières. Elle dit, elles sont sorcières. Elles sont nées, elles sont sorcières. Elles ont grandi, elles sont sorcières. Elles sont vieilles, elles sont toujours sorcières. Elle dit, ah, affaire comme ça, là. Moi, je ne mets pas mon pied dedans. Je ne mets pas mon pied là-bas. Ça, ce n'est pas de la blague. Est-ce qu'on est venu juste pour s'amuser? Mais vous-même, écoutez bien ce qu'elle dit. Écoutez bien encore. Quand tu es un jeune, tu te cherches là. Évite les filles, hein, qui ne travaillent pas, mais qui ont le goût du luxe. Sinon, tu n'as pas réussi. Quand tu es un jeune, tu te cherches. Évite les femmes qui ne travaillent pas, mais qui ont le goût du luxe. Et puis, évite les femmes qui sortent avec les vieux, vieux, vieux pour avoir le matériel. Évite ça. Ça va ralentir ta vie. Ça va ralentir ton avancement. Parce que, elle est poubelle de quelqu'un. C'est-à-dire que toi, tu couches avec elle, tu mets ta semence en elle, tu mets ta grâce en elle. Elle va chez le vieux récupère ce qui est bon là. Et puis le vieux même là, ce qui est mauvais, mauvais en lui là, il met dans la petite fille et toi, tu veux coucher avec elle. Ça gâte ton business. Si tu as ta copine qui soit avec un vieux, elle quitte là. Elle ne peut rien t'apporter. Ce que toi, tu ne manges pas, elle, elle veut manger. Sortez avec des femmes qui ont pitié de vous. Tu sois une femme qui va pitié de toi, tu ne peux pas réussir. Là où toi tu ne vas pas, là, elle est partie. Toi-même pour payer même peut-être même 10 000 francs pour aller à le concert, tu ne peux pas. Mais c'est elle qui paye ticket 50 000, 100 000 pour aller à le concert. Elle gagne dans la vie. Toi, tu empruntes encore Warren.
Elle dit pour elle, c'est pas Yango, mais tu vas taxi là. Elle est pas maintenant Warren dans la baka pour venir te voir. Donc toi, tu te casses la tête pour qu'elle vienne te voir. Tu payes taxi, tu payes Yango. Champion, femme qui ne te comprend pas là, faut pas te mettre avec elle. Ça va ralentir ta vie. Tu veux réussir ou bien tu viens impressionner une femme. Fais le choix. Fais un choix. La vie, c'est un choix. Nos parents là, ont fait un choix. Il y avait des femmes qui brillaient. Finalement, les filles là brillent maintenant là. Nos mamans là, beaucoup brillaient avant. Nos parents ont fait un choix de choisir la femme qui pourrait les aider à devenir quelqu'un. Voilà. Quand tu prends une femme là, il y a l'éducation de ta maison dedans, de tes enfants, de toi-même ta vie. Une femme qui n'a pas pitié de toi là, elle peut te faire du mal. Femme, habille toi, tu ne portes pas. Ce que tu ne peux pas acheter, là où tu ne rentres pas, ce que tu ne peux pas faire, c'est ce qu'elle veut faire. Alors que toi-même, tu n'as pas encore atteint le tiers de tes projets. Frère, tu te mènes à ça, c'est souffrance cadeau. Cherche une femme qui va te comprendre, celle avec qui tu pourras bâtir quelque chose. Si tu sors avec les femmes dans lesquelles les vieux déposent des déchets là, champion, ça va ralentir ta vie. Hein. Si tu regardes le foot pour dire elle brille, elle attend, elle est chic, tes amis vont l'apprécier. Mais c'est toi ta vie qui sera en retard. Ça sert à quoi de sortir avec une belle femme que tout le monde apprécie et puis toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Sors avec une femme, même si une personne l'apprécie, mais toi ta vie évolue. Faut faire un choix. Ciao. Quand je parle de tes amis qui vont apprécier cette femme, je te dis, moi, je suis au quartier, tout le monde appréciait les gomengo. Ah, tes gomengo sont jolies, elles sont belles. Alors que j'étais là même pour me bloquer, hein, pour me bloquer, je me dis, mais attends, celle-là, je fous de quoi, celle-là, on dit qu'elles sont jolies. Quel chien. Est-ce que ça m'apporte quelque chose dans mon avancement? Non. Est-ce que j'évolue parce qu'elles sont là? Non. Je vous assure que je n'ai jamais évolué étant avec une fille de ma vie. C'est pas de la blague. Toi, elle est là. Si une fille est rentrée dans ma vie, si elle m'apporte pas quelque chose, c'est pas plan. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Est-ce que vous vous rendez compte que dans une relation, ce sont les hommes qui tournent ces mains? Regardez ici là. Regardez ici là. Vous voyez ça? Ah! Je sais qu'il y a quand même un peu de bonnes femmes, mais c'est rare. Ça, c'est rare même. Regardez ici là, regardez ici là. C'est la même science, mais pas en point. Regardez ce qu'elle a été fait. Elles sont fous. Elles ont été vues vider les poches, c'est moi. Hein? Vous voyez ça, non? Vous voyez ça? Elles sont que bouge, hein? Regardez. Elles sont que bouge. Waouh. Voici l'image des filles d'aujourd'hui. Elles préfèrent entretenir leur corps plutôt que d'entretenir ce qui se trouve dans leur tête. Elles s'en foutent de ce qui se trouve dans leur tête. Elles s'en foutent de ça. C'est pas blanc. Hein? Pour moi, afin de choisir une femme, hein? Je vais me réveiller tout le matin. Je vais me réveiller tout le matin. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide et que Dieu délivre toutes ces femmes là-haut. Que Dieu les délivre.